Et salut à tous les bros, c'est Rémi Joe. Et aujourd'hui les bros, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui on va faire les courses, comme d'hab, c'est le week-end, semaine de galère. J'ai peut-être mangé à un resto rapide, donc je vous fais un petit vlog aussi pour vous montrer. J'aurais bien aimé trouver des trucs de pâtes. Donc on va voir à la suite les bros, on se dit à tout de suite. Quand vous suivez la chaîne, allez sur la page d'accueil et cliquez sur la petite cloche. Je vais vous mettre une petite image, vous cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos quand elles sortent. Faites un nouveau truc YouTube et la moitié des gens ils voyaient pas les vidéos. Donc essayez d'aller cliquer sur cette petite cloche, comme ça au moins vous suivez toutes les vidéos à la loupe les bros. Je vais bientôt changer de casa, donc je vais pouvoir vous faire des bons vlogs, vous montrer un petit peu mon jet life à la semaine, au cheat meal et également aussi au training. Comme ça vous verrez vraiment tout ce que je fais en temps réel la semaine. On est samedi. Putain, vraiment, c'est merdique dans cette ville, je vous montre. Hein. Orageux comme ça, il y a Zeus là, il y a Thor qui est bientôt sorti du ciel qui va venir. Je suis tombé sur une stagiaire à Carrefour, elle a mis sa vie à faire la caisse, je sais pas ce qu'elle faisait. Une demi-heure là, je sais pas ce qu'elle a fait. Finalement, je vais aller tester un sandwich à McDo parce que là, j'ai le McDo qui est là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Un petit sandwich à tomate, les bros. Là, on y va. Là. Qu'est-ce qu'on va prendre, les bons? C'est parti, American Winter! Bonjour, un instant, s'il vous plaît. Burger bacon et cheddar fondu et burger chicken et cheddar fondu. Deux sandwichs American Winter. En fait, je me prends un de chaque. Burger bacon, il a 5,30€. Burger chicken, 5,30€. Fromage pané, 5,30€. Le vrai fromage pané, 4,90€. Et voilà. Alors, je veux un burger chicken. Et un burger chicken et. Et un burger bacon. 10,60€ au prochain guichet. Allez, plaît. Merci. Bon, alors, on vient de recevoir les bêtes. Alors, on a un burger chicken et cheddar fondu et un burger bacon et cheddar fondu. Et merde. Voilà les bros. Donc, on va goûter. On va commencer par le chicken. Ils m'ont fait à l'envers. Oh, oh. On est sur du burger chicken. Burger chicken. Il se distingue des autres par sa croûte au chicken. Là. Franchement, American Winter, hein, nickel. Il y a une petite sauce, c'est majestueux. Les petits oignons. En temps de pleine diète active. Oh putain, j'ai activé les essuie-glaces, les rétros, les clignots. Vraiment abusé. Il est abusé. Franchement, 5€ le burger, c'est pas mal. Hein. 5,60€ le burger. Le petit pain broustonné comme ça dessus, croustillant. Ah oui, il est torché. Yep. Et on va goûter l'autre, le cheddar fondu. Là, vous voyez en live, regardez le bacon. Bon, c'est toujours un McDo. Non, ah, j'ai cru qu'ils m'avaient oublié un steak. Là. McDo, là, c'est 10€, 1000 calories. Ça veut dire 1€ les 100 calories. S'il faudrait payer pour les perdre, j'ai payé direct. Tu vois, tu arrives, tu dis oui, tu perds 3 kilos, et tu dis 5€. Franchement, il faut les apprécier, hein, parce que... Dans une heure, je vais avoir la dalle, mais... Il met des petits oignons, ça, ça fait la différence. Alors, dites-moi si je dois aller tester le Mega Giant de Quick. Bon, prochaine vidéo, plutôt kebab, plutôt burger, qu'est-ce que vous voulez? Plutôt pâte? Mettez un hashtag kebab, hashtag pâte ou hashtag fast-food. Dites-moi la sensation que ça vous fait quand vous mangez un McDo. Parce que là, les amis, j'ai un burger comme ça. Plus humain. Allez, burger fini, on y go. Toujours pareil, qu'est-ce qu'on a? Ben, les courses. Et là, pour ce soir... On va essayer de goûter ça, les bons. Deux kebabs. Là, on a les vins steak charal. Là, on a toutes les macédoines et tout pour éviter de faire à manger à midi. On a les kebabs pour ce soir. Les compotes pour le matin pour changer du laitage. On a les salades. On a ça. On a les œufs. On a ça.
on a les muesli, et ça c'est pour les crêpes du dimanche matin. Et là les gars, petit kebab qui sort du micro-ondes. On va goûter ça, les gars, c'est un petit charal. Pour résumer, le petit kebab de la marque Charal font 250 grammes les kebabs. Vous mettez ça au micro-ondes 2 minutes 30 je crois. C'est la folie, franchement vous rajoutez un peu de sauce à l'intérieur pour ceux qui veulent. Ou peut-être de la crème fraîche, je sais pas, mais franchement c'est la folie. Tout vous dire, ce vlog il va sortir le samedi 11 à peu près. Normalement vous devez être chez vous, là c'est le soir, vous devez le regarder. N'oubliez pas vraiment de vous abonner sur la cloche, comme ça vous voyez toutes les vidéos qui sortent. Toutes les vidéos vlog de la journée. Là je vais aller goûter ce samedi même, le 11 février, la chiza de chez KFC. C'est KFC qui font des pizzas. Donc je vous l'annonce là, la vidéo elle sortira mercredi. Je voulais juste vous montrer ce que je prends le matin, l'acide aspartique, je prends 3 à 5 grammes, les gélules de vitamine, un petit bol avec un grec, un fruit, là c'est une orange, et des muesli à l'intérieur, comme ça au moins c'est le top, un shaker avec de la whey. Tes vidéos, tu gères. On se retrouve avec un petit colis. Je vais vous montrer ça. Et c'est qui ça? Petit colis de The Protein Rocks. Et les bros, on a le Graal. Le Graal de notre poteau, les gars. The Protein Rocks. Des petits protein mugs pour manger le matin. On a le bidon de 2 litres pour boire à l'entraînement. Booster testostérone. Les BCA. Protéines de soja. Dans le vlog, je vous montrerai un peu ce que ça donne. Et après, on a la Whey 80. Et on est de retour vendredi. Bon, on va terminer le vlog aujourd'hui. N'oubliez pas, les bros, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour suivre toutes les vidéos. Dites-moi si vous voulez voir des vlogs où je fais mon training aussi à la semaine. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu ce que je fais pendant mes entraînements, mon programme. N'oubliez pas aussi de vous abonner, de mettre un petit pouce, de regarder les autres vidéos vlogs. Je dis à la semaine prochaine. Parti.